objectif pédagogique, c'est de faire comprendre que les humains ne sont pas au-dessus de la nature. On fait vraiment partie de la nature, on fait partie d'une évolution et on est indissociable de tous les animaux qui nous entourent et qu'on a un lien, on a des liens communs avec ces animaux. Et donc en apprenant à les connaître, on apprend aussi à se connaître soi. Et on essaye aussi de redonner peut-être une culture naturaliste qu'on a un petit peu perdu, c'est-à-dire reprendre contact avec la nature pour mieux comprendre notre propre fonctionnement. Rien que dans les oiseaux, il y a près de 2000 individus, plus d'une soixantaine d'espèces pour les oiseaux. La communauté scientifique dit qu'on a découvert 1,8 million d'espèces et visiblement, on n'en aurait découvert que le quart. Et il y en aura certaines qu'on découvrira jamais, parce que comme on détruit des pans entiers, surtout de forêts, on détruit forcément des espèces. Alors, il y a des animaux qui n'ont pas de squelette ? La limace. La limace n'a pas de squelette. L'escargot non plus. La chenille non plus. Ah, voilà, on essaiera de comprendre si le squelette des coccinelles est le même que le squelette de la poule ou de la souris ou de la grenouille ou du serpent. À quoi ça sert le crâne ? Réfléchir. Ah non, c'est pas le crâne qui sert à réfléchir. Pour que ça se fait pas, pour quand on tombe, on a pas mal. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton crâne? Un cerveau. Un cerveau, et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il réfléchit. Il commande tout. Il fait pas seulement que réfléchir, il commande tout dans notre corps. Donc le crâne, il va protéger. Alors, est-ce que notre éléphant est comme nous? Oui. Non. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes? Il est pareil, mais sauf que on n'a pas des trucs comme eux. On n'a pas de défense, voilà. Mais on va retrouver la colonne vertébrale avec un bout, le crâne qui protège le cerveau de l'éléphant. De chaque côté, on va retrouver comme nous un bras ici. De l'autre côté, il y a un autre bras. Ici, il y a une jambe comme nous. Et de l'autre côté, il y a une jambe comme nous. Donc on dit que l'éléphant a combien de pattes ? Quatre pattes. Mais il a quatre pattes comme ? Oui, ma chère. Nous aussi, nous avons quatre pattes. L'éléphant, il a un squelette comme le nôtre. On va retrouver les mêmes os. Seulement. Il n'y a pas de défense. Voilà, alors les défenses, c'est quoi? C'est pour les que... corps. Non, se défendre. C'est pour se défendre. Ce sont des dents, les défenses. Il y a toutes sortes de mammifères. Il y a des mammifères qui nagent, comme les dauphins, qui vivent dans l'eau. Il y en a qui vivent dans les arbres, comme les singes. Il y en a qui vivent dans la savane. Il y en a qui vivent dans la glace, hein, comme l'ours polaire. Okay ? Le lion, c'est un mammifère carnivore qui va plutôt vivre dans la savane. Quand on voit un animal avec un sabot, on va trouver dans sa gueule, on va retrouver ce genre de dents. Tout à l'heure, chez le lion, c'était les canines qui étaient développées, tandis que là, ce sont les molaires, d'accord ? Donc là, on sait que c'est un animal qui va passer sa vie à... C'est un cheval. Qui va broyer sa nourriture. Le bélier, il n'a pas d'incisive en haut. Il est comme la vache. Ils n'ont pas d'incisive en haut, donc ils cèdent. Pour couper l'herbe, pour attraper l'herbe, ils vont céder soit de leurs lèvres, soit de la langue. D'accord ? Et ensuite, ils ont beaucoup de molaires. Vous voyez, du pareil, pas de canine, hein, on appelle ça la barre. Ils vont broyer la nourriture. Donc, quand on voit ce type de pâte, avec au bout des sabots, on va pouvoir associer des dents d'herbivores. Elle a aussi un cou très grand, elle n'a pas de corde vocale, donc elle ne peut pas crier. Donc elle a deux doigts, donc elle va avoir deux sabots. J'aimerais que vous me disiez jusqu'où va son pied. Son pied, c'est ça, Ala. Est-ce que ça, c'est son pied? Non. C'est quelle partie de son pied, ça? Et la girafe, donc, on arrive à voir, elle marche sur quelle partie de ses pieds? Sur ses doigts, comme le lion.
la fourmilière. Donc, les récolteuses vont cueillir les feuilles. Vous les voyez, elles descendent avec la feuille sur la tête. Et elles vont rapporter les fourmis, les feuilles dans la fourmilière. Et dans la fourmilière, il y a d'autres fourmis qui vont écraser les feuilles. Ils peuvent y aller dans l'eau. Et elles vont donner à manger. Elles vont en fait nourrir un champignon. Et en échange, ben le champignon, il se laisse manger par les fourmis. On essaye de faire le tri entre les os qui sont humains et les os qui ne sont pas humains.